segui, capit, donde ero sit. Tres bellatales profitis contor, unto Jesus etiam autem, alter occisus est. Sed superstes in vincula conie est. Du talent, hein. La représentation d'aujourd'hui se déroule avec la participation virtuelle du public. Grâce à notre technologie révolutionnaire, vous allez devenir le héros de cette histoire. Terrassez l'effroyable roi dragon et gagnez le cœur de la princesse. Notre histoire commence dans une immense ville faite de rouages et de sang. Gardia, la cité mécanique. Ici, point de place à la tranquillité ni à la paix. Gardia envahissait les autres villes avant de les dévorer pour s'agrandir et demeurer la plus puissante de toutes. Dans le tourbillon sans fin de la guerre fut pris un jeune homme que voici. Son nom, Alfrid. Il est l'un de ceux partis en voyage à la recherche du don de la déesse. Rêvant de devenir un héros, il s'est jeté à corps perdu dans les batailles. Mais il fut capturé par le camp ennemi et jeté dans un cachot. Fidèle lame, puisses-tu me prêter ta force ? Come on.
Dois-je aller de l'avant ou patienter davantage? Ces barreaux ne m'ont que trop retardé. L'heure est à la fuite. Ouvrez ! Ma lame a une vengeance à exécuter ! Alfred, tu es sauf. Rosa, comment m'as-tu trouvé ? Tes pleurs de détresse sont parvenus jusqu'à mes oreilles. Prisonnier veut se dresser sur mon chemin. Je me bats pour la grâce de la déesse. Puisse sa sainte volonté guider ma lame et me dire lequel d'entre vous en tâtera le premier. Je suis Garm, le gardien des enfers et l'âme damnée de Varvados. Crains ma férocité, et n'espère pas que ton frêle bouclier te protège de mes crocs tranchants et de mes griffes acérées. Je suis Varvados, le roi dragon maléfique qui règne sur la cité de Gardia. Prosterne-toi devant moi, sinon je te ferai goûter au pouvoir draconique dévastateur qui sommeille dans mon bras mécanique. Je suis Garm, le Garm. Mes griffes et mes crocs sont plus meurtriers que des lames. Tu vas goûter à l'enfer! Agilité, il manie son épée comme certains mènent une danse. Sa foi en la sainte déesse serait-elle la source d'où il puise sa force? Gageons que le jour où il sera proclamé héros arrivera bien assez tôt. Et sur ce, je vous salue, Alfred le chevalier. Je ne suis qu'un modeste bouffon, mais parfois je m'adonne aussi à la divination. Aujourd'hui est votre jour de chance. Je répondrai à l'une de vos questions. L'avenir, ma foi, est l'enchevêtrement d'un millier de choix. Chacun ouvre un nouveau chemin et nul ne peut en prédire toutes les conclusions possibles. Une vérité, toutefois. Toute histoire qui commence par une rencontre ne connaît qu'une seule issue. La séparation, hélas.
Bien, nous avons assez digressé. Passons sans plus attendre à la scène suivante. Tremble de peur devant le puissant rugissement du dragon. Alfred nous émerveille tous par ses talents d'escrimeur. À nouveau, du rang de héros, il s'est rapproché. On eut beau l'emprisonner et tenter de lui couper les ailes. Ce fut en vain. Porté par son ardeur, il s'est envolé de plus belle pour s'élever jusqu'au sommet. Sur ce, si vous permettez... Chers spectateurs avec nous ce soir... Notre jeune aspirant héros et sa princesse pleine de bravoure n'ont plus qu'une scène à vivre dans leur histoire. Je devine votre peine, car je la partage aussi. Néanmoins, rencontre et séparation font partie d'un même tout. Tout ce que nous pouvons faire, c'est chérir en nous le souvenir de ces moments de joie. À présent, êtes-vous prêt à assister à notre tragique dénouement ? Excellent! Cette pièce s'intitule Loveless. Alors apportons un point final à ce monde dénué d'amour. Varvados ne craint rien d'autre que le pouvoir de deux âmes qui s'aiment. C'est pourquoi, Alfred, je veux que tu révèles qui ton cœur a élu. Fais ton choix en cet instant. Et enfin, par un baiser, scelle vos destins. Allons! Quand ton cœur connaîtra la réponse, avance-toi pour l'annoncer au monde entier. Toujours. Sors net de tout cela. L'amour n'est rien de plus qu'une vaine chimère. Déesse protectrice, bénis mon épée de ta force. Thank you.
Tu n'as plus d'aile désormais. Repose en paix dans l'abîme ténébreux. Mon cœur battait la chamade. Mais j'étais heureuse de me battre à vos côtés. Merci, chevalier. Es-tu sûr de ce que tu trouveras au bout de ton voyage? Le don de la déesse que tu recherches tant? Ou bien les flammes dévorantes de la vengeance? D'ici là, continue à jouer avec ton destin. Pauvre chevalier damné que tu es. Un jour, il te rattrapera. Et alors, tu seras maudit. Alfred, regarde. Dois-tu vraiment partir? Des êtres chers attendent mon retour. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais... Alfred, tu ne dois surtout pas mourir. N'aie crainte. Je reviendrai un jour. Je n'ai nul besoin de promesses, car je sais au fond de mon cœur que tu seras là pour moi. Until I met you.